Comment amène casse, comment amène revenu dans Maurice, comment réamène prospérité, comment faire nos pays décoller avec le fait qu'il nous cause des langages, avec le fait qu'il nous a une zone du pays, nos ressources et ressources humaines aussi, c'est faire ban du monde venir set up de business à Maurice sans qu'ils habitent à Maurice. Beaucoup pays ne finissent médecins, hein? Malta, Estonie, Malaisie, en Arabie Saoudite, etc. Les mondes vous bousent avec technologie devant. Si nous pas bousons avec plateforme technologie, nous bourrons primitif. Vous trouvez dans la période lockdown, dans Covid, comment tout business est marché, tu peux travailler le Zoom, tu peux faire conférence call, pas de la banque, tout pas de business, tu peux marcher, vraiment. C'est moi ça quand tu lockdown sur la case. C'est le projet de Digital ID Resident. C'est un projet pour faire Ban Ki-moon une résident électroniquement dans Maurice. Moi explique. Vous avez un concept de ban digital nomades qui travaillent partout dans le monde. En Australie, en Angleterre, tous autres persistent dans Dubaï, persistent partout. Mais ils ne sont pas résidents dans aucun pays. Je travaille 3 mois ici, 3 mois là-bas, etc. Nous pouvons créer un système que n'importe qui s'en a dans n'importe qui pays du monde. J'ai envie de cette un business dans Maurice, il est capable de faire lui. J'ai envie d'ouvrir une compagnie, il est capable de faire lui. J'ai envie d'ouvrir un compte bancaire, il est capable de faire lui. J'ai envie d'employer du monde dans Maurice, il est capable de faire lui, même il n'est pas là. Le monde, quand vous bougez du vent, est un nouveau système metaverse qui peut venir en place. Avec virtual reality, ou rentre dans un boardroom dans l'Amérique, vous pouvez donner du monde l'armée, ou bien assister, vous pouvez discuter pour poser, ou bien signer document avec electronic signature. C'est ça qui le monde pour arriver du monde. 5 ans, 10 ans, 15 ans du vent, c'est ça qui peut arriver. Et c'est là que nous venons du monde, une résident à Maurice électroniquement avec le système de digital ID. Déjà, en termes de casque qui a mené, une fille de 1250 €, 250 € pour l'administration, 1 000 € qui rentre dans la caisse gouvernement. Le but, c'est d'avoir à Maurice 500 000 électroniques résidentes sur une période de 5 ans. Et déjà, il fait où si vous prenez 1250 € ou 1050 roupies ou multipliez ni par 500 000, fait où 30 milliards roupies qui rentrent dans la caisse. Si vous réussissez à mettre ça en place et vous réussissez à faire ça, 500 000 digital résidents dans Maurice, vous pouvez amener 30 milliards dans la caisse. C'est qu'il vous crée l'emploi dans le pays. Mazine ban compte bancaire, mazine ban la banque. Si vous avez 500 000 digital résidents, je vous verse 100 000 comptes bancaires. Imaginez-nous, il faut que la banque ne prend pas plus beaucoup du monde. Si je mets 100 000 compagnies, imaginez-nous, combien de monde vous gagne l'emploi. C'est une révolution dans le système. Il casse ça, il y a un système offshore là, ici cassé là. Parce qu'il y a tellement une substance-based. Maintenant, tout se fait à travers une vraie activité physique qui prend place. Alors, du monde là qui a assisté de haut, il s'est ce compagnie dans Maurice, il emploie un Mauricien qui peut faire l'administration, sa facturation fait dans Maurice, et il peut faire tout ce business remotely depuis dans ce pays, mais c'est Maurice qui peut bénéficier. Ça, c'est une révolution, là, comment on va mettre casse dans le pays.